Eh bien, yo tout le monde, on se retrouve pour ce petit aparté entre nous pour juste vous informer que la DG Team arrive sur Star Citizen. On a officiellement ouvert notre corporation sur le site RSI. Donc, je vous donnerai tout dans la description de la vidéo. On recrute toutes sortes de personnes, d'accord? Débutants, anciens, vétérans, ce que vous voulez. Tous les débutants, on les prendra en charge pour leur expliquer de A à Z le jeu, pas par un simple tuto, par des partages d'écran et tout ce qui va avec. Ça les aidera beaucoup, beaucoup plus. Donc sur le site RSI, vous pourrez voir qu'on est en chasseur de primes et en contrebande. Donc ce n'est pas totalement faux, mais pas totalement vrai. C'est-à-dire qu'on va pas se limiter à deux activités, on va vraiment faire une globalité de nos activités. On va essayer d'avoir un peu le nez un peu partout. Et en plus, voilà, si on peut aider les nouveaux, que ce soit pour le farming, pour le minage, pour le salvage, on le fera aussi. Donc, dans la description, les amis, il y a le Discord et le site pour nous rejoindre sur JCR ici. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir en masse. Et il y aura aussi mon code de parrainage pour tous ceux qui vont créer un compte. N'hésitez pas à nous soutenir et on espère faire une belle aventure sur Star Citizen. Voilà. Bonne vidéo à vous! Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Alors, dans cette vidéo, on va faire un nouveau métier avec un nouveau vaisseau, enfin un nouveau métier qui vient d'être revu. Donc, c'est le salvage, mais avec le réclameur. Donc, on pourra vous faire voir un peu les vaisseaux qu'on peut démolir avec. J'aime bien juste cette vue, elle est magnifique. Mais, donc, je pense que tout le monde a entendu parler de la nouvelle façon de salvage, donc détruire les vaisseaux. Enfin, casser les vaisseaux, les briser, les aspirer. Donc, avec le Vulture, on peut faire des petits vaisseaux. Mais avec le Reclaimer, on peut faire tous les gros, les méga vaisseaux qu'il y a in-game. Donc, c'est pour ça qu'il y a une strat assez bonne sur ce nouveau gameplay qui va plaire à pas mal de monde. Mais à savoir. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui parlent du salvage, faire des millions rapidement. D'accord? Je ne veux pas dénigrer mes collègues youtubeurs sur Star Citizen qui font ça, mais parfois, faut remettre, comme je dis toujours, les pendules à l'heure, et je serai en tout cas là pour les remettre s'il y a besoin. À savoir que pour faire ce métier, il faut acheter le Reclaimer. À ma connaissance, donc je dis à ma connaissance, on ne peut pas le louer. C'est pas un vaisseau louable in-game. Donc. À savoir qu'il faut l'acheter. Et ce vaisseau, il vaut 15 millions d'AUC. Donc, à moins que si vous ayez un ami qui a ce vaisseau, vous aurez du mal à faire ce métier. D'accord? Donc, il vous faut absolument ce vaisseau-là que vous voyez dans l'écran. Absolument. D'accord? Pour commencer, toute chose, c'est importante. Alors, après, moi, il y a des gens qui prennent le recyclage dans cette zone-là. Moi, c'est pas mon cas. Je vais dans personnel. Je vais dans recyclage. Et je prends ce qui est là. Bon, là, il n'y a pas qui m'intéresse. Du coup, je vais attendre tranquillement. Parce que oui, en ce moment, elles sont énormément spam. Hein. Chaque vaisseau que vous voyez sort de là-dedans. Donc voilà. Donc, c'est quelque chose qui est assez énorme. Donc ce qu'on va faire, c'est que je reviens dès que j'ai une nouvelle mission. À tout de suite. Donc re les amis, donc du coup j'ai trouvé la mission qu'il nous faut. Donc je vous fais voir là la marche à suivre en solo, et je vous ferai voir la marche à suivre tout à l'heure, enfin en équipe entre guillemets, où il y aura tous les membres que vous voyez sur ma gauche là qui rejoindront la mission, les missions qu'on lancera. Donc alors, à savoir, je vais vite fait faire ça pour vous montrer. Donc vous allez dans le personnel, recyclage, et vous acceptez Aegis Hammerhead nettoyage. Donc, à savoir que les missions normales comme celle-ci, ne les prenez pas, vous en battez les couilles. Prenez juste celle où il vous offre 80 000 balles. Ou 250 000 là par exemple pour la Hammerhead. Là, on voit qu'il y a 250 000 pour la Hammerhead. Ça fera toujours ça de gagner en fait concernant votre gain au cas où qu'il y a un crash de serveur ou qu'un mec vous tombe dessus pour vous exploser. Voilà. Donc ça sera toujours ça de prix. Donc vous allez voir que c'est très très rapide à faire.
Et à savoir que ça a déjà été nerf tout à l'heure, il me semble. Par RSI. J'appelle ça RSI. Par les développeurs, quoi, en gros. Donc, hop. Donc, on se retrouve devant la carlingue. Donc, tac, nous voici devant la carlingue. Donc, attention à ne pas la taper. Ce serait une grosse, grosse bêtise. Parce que c'est très chiant après pour l'arrêter ou pour la salvage en solo. Donc, là, ce qu'il vous faut, c'est que vous soyez au minimum à, on va dire, 60 mètres. Même si vous êtes à peu près parfois, c'est pas dégueu. Voilà, par exemple, je suis à 54 mètres. Pour moi, ça me convient très, 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 très simplement. Donc là, vous quittez votre siège. Là, vous allez ici. Donc, à savoir, pour allumer le bras, il faut regarder ici. Moi, au début, je savais même pas. Voilà. Donc là, maintenant que vous avez appuyé sur ça, le bras ne va pas sortir tout seul, vous appuyez sur point d'interrogation. Donc là, votre vaisseau, il est en train de sortir le bras qui passe dessous. Voilà. Et là, hop, il va s'ouvrir. Une fois ouvert, il y a la fracture. Donc là, vous voyez, vous faites clic gauche, et le petit rond, il va commencer à tourner. Le petit rond vert. Donc, à savoir que solo, c'est pas mal parce que vous faites quand même des millions à l'heure, hein, on va pas se mentir. Mais c'est quand même très bien de le faire aussi en groupe, on va dire, c'est plus fun. En tout cas, moi, je parle de ce principe. Donc là, vous faites directement clic droit et vous faites clic gauche. Donc là, c'est en train de récupérer. Donc là, le problème, c'est que parfois, vous allez récupérer les deux bouts alors qu'il faut pas. Donc moi, j'ai une petite strat, c'est par exemple de voir à quel niveau il situe lui et quel niveau il situe lui. Par exemple, lui va se finir avant lui. Là, par exemple, on est à moins 19%. Et celui-là, on a un taux normal. Donc là, c'est une perte de 19%. C'est pour ça que je vais l'arrêter avant que ça commence. Et vous allez voir, un peu, le rangement ne va pas être de tout repos. Ça va être un peu bizarre. C'est pour ça que cette vidéo va durer un peu plus longtemps que d'habitude. Hein. Celle-là, elle est partie pour durer une bonne demi-heure. Après, le rangement, je le ferai en accéléré parce que, bon, c'est pas très intéressant. Donc là, on regarde bien. Ici et ici. Moi, ce que je vous conseille, c'est tac. Dès que le gros carlingue, en fait, et salvage, faut arrêter le salvage, faut faire gros clic, hop, et là, boum, vous arrêtez. Pourquoi? Parce que la grosse carlingue remplit quasiment la totalité de votre soute. Donc, là, hop, vous quittez le siège. Donc là, il y a toujours la carlingue qui est sur le côté, et on la prendra après, hein. Vous inquiétez pas. Donc là, on est en intrusion, mais en règle générale, il n'y a pas grand monde qui vient nous casser les couilles. Donc là, je vais faire le chemin avec vous pour que vous puissiez connaître la zone. D'accord. Donc là, on prend les escalators, on monte. Parce que j'avoue que dans un grand vaisseau comme ça, parfois, on ne sait pas où aller avec tous les étages qu'il y a. Donc là, boum, vous allez à l'ascenseur d'en face. Donc là, vous contournez et vous sortez de l'autre côté. C'est quasiment toujours tout droit, mais bon, au début, c'est pas très, très pratique. Vous allez dans traitement de récupération. Tac. Donc à savoir que moi pour le moment mon maximum en solo j'ai fait jusqu'à 10 millions. Donc c'est pour ça que c'est assez bien et assez rapide et en plus c'est un bon métier. Donc tout à l'heure on vous fera voir en équipe ce que ça donne. Donc là vous mettez bien, vous choisissez bien des caisses de 16. Hein. Vous cliquez là, palais 1 SCU, 2 SCU, 16 SCU. Éjection automatique, éjectée. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Autant en faire des grosses caisses que des petites caisses. Et là, vous faites la même chose. Hop. Et bien entendu, comme je dis toujours, n'oubliez pas d'avoir un multi-tool pour pouvoir porter les caisses et les en mettre. Donc là, je vous mettrai peut-être un petit screen pour rigoler un peu de nous, comment on avait déjà fait le rangement dans le vaisseau pour vous faire voir comment on atteint les 10 millions, les trucs dans le genre.
C'est assez marrant, je fais une petite dédicace d'ailleurs à Antares et Bertie et Scar pour ça parce qu'on fait pas mal de ce genre de choses ensemble. Donc là, hop, vous voyez, là on va dire au début c'est bien rangé. Voilà, c'est bien rangé. Donc là, on peut en mettre que deux, donc va falloir que. Ouais, va falloir que je. Que je gère. Donc là, il y en a une seconde. Donc là, ça va être full accélération en accéléré à partir de maintenant. Donc tac les amis, normalement il n'y a plus rien à récupérer. Donc là, à partir de ce moment-là, vous avez vu un peu le timelapse de ce que comment j'ai fait, donc ne vous inquiétez pas. C'est normal de mettre tout en vague comme ça. Hein. Donc n'oubliez pas de les mettre en 16. Et on va remonter là-haut. Donc il y a certaines personnes aussi qui me disent que parfois je sors mes vidéos trop tard parce qu'elles sont patch ou alors que les devs ont fait des petits réglages dessus. Non, justement, je suis pas comme certaines personnes qui font des vidéos instant, en fait, pour essayer de buzzer dessus. Je fais dès qu'on va dire il y a un minimum de patch dessus. Là, par exemple, j'attendais les Bounty Hunter qu'elles soient patch pour vous en faire une vidéo. Il y en a une qui va arriver très prochainement, peut-être un peu après Noël quand même, parce qu'on va se calmer sur les vidéos pendant Noël. Mais après Noël, vous aurez une vidéo sur Bounty Hunter qu'on fera certainement avec l'équipe. Où je vous montrerai ce que maintenant ça rapporte réellement. Parce qu'avant on pouvait faire du D7 millions sans aucun problème, mais c'était pas la réalité du job. Là par exemple, il y a eu la petite match tout à l'heure qui a été où ils ont nerf justement le métier de salvage là. Donc je vous fais une vidéo dessus. Donc la match elle a eu le 21. Donc aujourd'hui. Le truc c'est que je voulais pas la faire avant, déjà parce que j'ai commencé à le faire hier, donc et puis j'ai pas envie de vous donner des faux chiffres, même si bon, hier je me suis fait 10 millions en l'espace du... Ah là par contre ça va être chiant là, voilà. Je suis à plus 6%, là je vais perdre, dommage. Mais voilà, là vous voyez ce qui vient de se passer, c'est typiquement ce qu'il faut pas faire. En gros, j'étais trop près là, et la pince a tapé dedans. C'est pas très grave, hein. Vous envoyez la preuve. Donc à savoir que moi, en général, vu que là surtout en ce moment, c'est les amorettes, c'est énormément pris. Ce que je fais une fois que ça c'est fait là. Donc là, vous avez vu qu'on est à peu près à 38 AEC. Donc je vais ressortir des caisses en bas et je vais vous que de ça. Mais regardez souvent. Ça a pas voulu super l'ambiance. Regardez souvent les quêtes, par exemple. Personnel, allez souvent dans recyclage et regardez si vous voyez pas un hammerhead pour la reprendre derrière. Là par exemple la constellation je pourrais le faire, 80 000 AUC, je pourrais le faire. Mais pour vous, la vidéo, je vais vous montrer que certainement que des hammerheads. Donc ce que je vais faire, je vous dis à tout de suite et on se retrouve avec les copains sur une mission. Entendu. Sur un malentendu, ça peut glisser sur un malentendu. Ouais, l'ascenseur il est éclaté au sol. Je peux pas l'appeler. Lequel? Celui de derrière. Celui de derrière, je te conseille de prendre les escaliers. C'est ce que je suis à Les échelles. côté habitation. Ah oui, il y a des escaliers. Attends, bouge pas, je vais essayer. Tu prends les échelles, tu remontes en haut et. En fait, moi quand il bug, je sais ce que je fais. Ok. Donc là, je me retrouve là. Pas vraiment où je suis.
un truc marqué 093. Ok. Donc t'es pas loin, Tantaras, t'es encore en train de t'habiller. Je suis dans mon vaisseau. Après, si tu veux venir toute nue, y'a pas de problème. Hein. Non, ça va. Pas ce soir. Pas devant les caméras, c'est ça? Ah ouais, je suis trop pédique. Michel a m'envoyé sur un truc, je sais pas où c'est. Je remonte, je vais sauter. Là. C'est un peu. Bah voilà, hop, ça ira très bien. Alors, quand tu connais pas le réclameur, Jésus? Si. Mais l'échelle, ça m'a envoyé sur un truc, ça mène à rien, ça mène à rien du tout. Je vous partage la mission, les amis. Comme ça, vous touchez un peu de pognon. Yes. C'était pas le bon étage. C'est pas le bon. C'est traitement et récupération, faut aller. Bah ouais, mais moi, c'est pas marqué comme vous. Bah oui, non, mais oui. Compte sortie, RMS, je sais pas quoi. C'est le deuxième, je crois, dès que t'es dedans. J'ai pas reçu la mission que t'as partagée. Je fous ma gueule. Parce que si c'est le cas, c'est pas drôle, hein, je te le dis d'avance. Alors, tu m'as pas invité déjà dans le groupe non plus. Ah oui, c'est là, je vois le bordel. Mais si je t'ai invité. Alors, c'est moi qui ai pas accepté, tant pour moi. Tiens, je t'ai re-invité. Tu me dis quand t'es dans le groupe. Donc c'est quoi, c'est des 16 que tu fais? Ouais, c'est bon, je suis dans le groupe. Ouais, tu fais des 16 et là je te repartage la mission. Tu fais que des 16 et tu les ranges n'importe comment, tu connais. On va essayer de remplir une grosse partie de la soute. J'ai accepté. C'est ça, Guéo, c'est ça, Guéo. Il est marqué remplissage de la boîte à caca en cours. De la boîte à caca. Ça, elle se remplit tous les jours normalement, non? Ouais. Ça sort automatiquement. Ah, ça m'étonne pas. Vous voir en arrivant, et je vous vois plus là. Nous sommes déjà arrivés au prochain. Amored. j'ai mon multi-tool dans la main et je tiens le joystick. Pas mal. Effectuez un quantum à votre emplacement actuel. Vers votre emplacement actuel. Il veut nous quémer un gros, fais gaffe, prends les armes. Tu veux avaler mon vaisseau, je le mets devant. Bah désactive les boucliers pour éviter que je me fasse... Ouais. De toute façon, tu peux pas l'avaler si les sont activés. T'inquiète, quel chic type il veut qu'on avale son vaisseau, quoi. Ah, il faut
faut que je remarque à chaque fois, là, pour que ça relance à chaque fois. Bah, à chaque fois que ça s'arrête, ouais. Mais là... Approche-toi un peu, Antares. Ah, trop tard, je suis descendu du siège. Ouais, bon bah. Ah merde, attends, de toute façon je remonte, j'ai oublié de couper les... C'est qu'avec la lumière, je vois rien. Là t'as plus de lumière normalement. Si, mais c'est bon. Je suis à 60 mètres, normalement c'est bon, ça m'a valé. Sors vite, 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 vite. Vite. Oui. Ah, salaud, putain. Je te jure, je voyais tout, les... je voyais tout qui était en train de disparaître en fait. Putain, j'ai failli finir en caisse quoi. Ça aurait... Tu crois que ça aurait coûté cher un petit Antares en caisse? Je pense qu'on aurait. Si tu m'aurais vu sortir de l'imprimante. On aurait pu se faire un petit billet, je pense. Ça, c'est des tests à faire, hein. Être dans un vaisseau pendant qu'il se fait salvage ou quoi, je sais pas, mais... Si, si, si. J'aurais pu le faire, hein. Il est où le cul, il est où la tête-tête, là, à chaque fois, je me trompe. Alors, le cul, c'est un truc assez fat, hein. Par contre, évite de bouger quand j'essaie de revenir. Alors, c'est pas vrai, j'ai pas bougé d'abord. T'as une preuve de ce que tu avances? Là, j'ai un sas ici, là. C'est plus simple, parle ça, ça va plus vite. Les câbles. Ça va, Jésus, en bas ou tu veux qu'on alterne? Ah, ça, pour l'instant, ça va. Je crois que c'est la première fois que je vois Jésus dans une cale. Tu me vois pas en fait de là où t'es. Non, bah non, mais c'est la première fois que je vois ton blaze dans une cale. Plus de 30 secondes. Ça se trouve, je suis assis dans un coin en train de rouler un joint. Bah, c'est à dire que tu gères parce que les caisses, ça s'enlève toutes seules. Ah, j'utilise de la force. Il imagine que c'est de la widow, ça va tout seul. Bah là, je te balance, mais en vrac. Hein, bah, du moment qu'on peut en mettre un maximum, c'est on s'en fout quoi. Faut que tu les balances, mais en Tetris, tu sais. Merde. J'essaye, mais ça ne veut pas toujours bien Tetris. T'es rentré en Antares? Hier. Ah bah, ça, on va pouvoir les enchaîner là. Merde, j'ai oublié de la partager. Fuck. Voilà les amis, acceptez. On va vous faire un petit peu de moula, gars. Oh, du coup, ça va être 10 fois plus rapide. Là. Avec Antares sur le bras, sur mon bras. Ouais, je suis léger. Juste ne sautille pas, c'est tout ce que je demande. C'est légèrement parti en couille. Au niveau des caisses? Ouais. Il met pas de la mauvaise volonté. Je mets pas de la mauvaise volonté, mais il y en a une, elle redescend. Elle remonte, je la remonte, je la redescends. Quand ça veut pas. Ça veut pas. Moi, les caisses, en fait, c'est un gameplay à part entière. Hein. Vraiment, en plus, hein, je te promets que quand t'es en bas, t'es dans un autre monde. Hein. C'est... Quand tu commences à arriver au plafond, t'as la petite goutte. Hein. Elle veut pas te tenir sur le balcon. T'as la petite goutte de sueur sur le front. Hein. Ouais, tu te demandes à partir de quand le vaisseau va péter. Même si ça fait très longtemps que c'est pas arrivé avec les caisses, je me demande toujours à partir de quand que ça va péter. Quoi. C'est-à-dire qu'il va péter quoi? Bah, tu sais, les caisses, ça peut faire péter le vaisseau. Ah bon? Ah, tu savais pas? Non. Bah, te l'as au courant. Ah, d'accord. Les caisses. Une caisse peut faire exploser le vaisseau de l'intérieur. Oui. Ok. Merci de me transmettre l'info.
Peut-être un peu tard, mais je la transmets, t'inquiète. Ouais. J'ai passé plusieurs dizaines d'heures dans la soute à manipuler des caisses. Tu sais, c'est comme si le mec disait, après que t'as passé le champ de mine, t'es sur un champ de mine. Au fait... Vas-y, tu peux y aller. Allez, je sors le pio-pio. Oh putain, t'aurais déjà dû le sortir. Hop, ça fait un peu de bruit, alors je le coupe hein, quand on se déplace. C'est pour les abonnés que tu fais ça, c'est gentil. Oui. Ouais. Et puis okay. Aussi, c'est pour montrer la sortie du piou-piou, et puis... T'as cette place pour le salvage entier, là, ou pas? Là, je le fracture, déjà. Ouais, non, mais après... En bas, le petit chinois... Ça va pas, hein. Ouais, ça va pas. Tu bosses avec une imprimante là? Non, je bossais avec deux, mais elle s'était arrêtée et j'étais en train de jouer une caisse là pour essayer de la mettre. Ouais, des excuses. Ouais. Pourquoi il y a la colonne encore dans la machine là? La moitié, mais on peut pas le prendre là. Là, on a 150. On a 99 SCU de prix encore. Et lui, en général, ils font 220, faut voir comment il fait, lui. Il fait 220, hein. Il fait 222, ouais, donc faut attendre un petit peu encore. T'inquiète pas, il a l'homme à tout faire en bas, il gère. Faut avoir confiance en lui, Antares. Ah oh ouais, sinon, si tu veux, j'y vais, hein, en bas. Ah, faut mieux pas. Faut mieux pas que tu voyais ça. Alors, je le redis, hein, mais faut que tu... quand même aller voir, dès qu'on va bouger un autre vaisseau, là. Je vais juste aller jeter un oeil. Faut que tu sois capable de sortir juste du vaisseau, d'accord. Je te le dis au cas où, faut mais que tu... Finir, c'est pas grave. Bah non, mais ton corps. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Oh, comment tu fais quand t'arrives au toit, là? Attends, je vais essayer d'en mettre sur le balcon ou derrière, on peut en mettre derrière. Attends. Tu peux en mettre sur les côtés derrière, sur les balcons. Putain, ça. Et après, si tu veux, t'as deux autres soutes. Tu charges l'ascenseur et tu peux charger les deux autres soutes. Ouais, mais bon, l'ascenseur, je le connais, cet ascenseur, c'est la merde. C'est la merdasse. Allez, tu sors encore une caisse et je vais pouvoir y aller. Pas de clap. Oh là là, c'est quand même... il est quand même magnifique ce jeu. C'est clair. Les bugs se pardonnent parce que c'est tellement énorme. Comme ma bite. Bon, t'as du taf, Jésus. Au lieu de dire des au lieu de dire des conneries, là. Tac. Elles sont nulles, ces imprimantes. T'as quitté le bras, Ouais, je vais inspecter la soute. Oh là, il va faire l'inspecteur des travaux pas fini. Jésus, je fais gaffe, il arrive. Ouais. Ah bah, y'en a une qui a pas de gueule. Avec une bouteille. Un petit peu à moitié. Oh, je vais pas en balancer par-dessus, du coup. Donc les amis, une fois sorti,
Là-bas, c'est pour prendre les vaisseaux. Vous venez ici. Donc, je vais vous cut tout, déjà tous les moments en alerte pour éviter que ça soit trop long. D'accord? Parce que c'est déjà une vidéo qui va durer pas loin d'une trentaine de minutes. Donc, je ferai quelques accélérés et quelques cuts à certains moments. Mais du coup, vous venez ici. Donc là, on est sur Horizon. Donc, Crusader. Horizon, c'est la capitale de Crusader. Je vous laisse. Vous allez à la station de transit. Donc, en plus, j'ai eu une petite info. Juste avant, des amis ont tenté de vendre sur un autre serveur. Et le patch, en fait, qui a été fait tout à l'heure, c'est le patch qui va être certainement pour la quantité de revente. Donc, apparemment, le prix n'a pas changé, mais apparemment, pour la revente, c'est très, très... c'est beaucoup plus long, en fait, à revendre, comme la drogue, les trucs dans le genre. Donc on va voir, donc là vous prenez la navette de gauche, vous venez ici. Hop. Donc là, je vais vous faire un petit cut, c'est le prochain arrêt de toute façon. Donc les amis, donc je reprends le rec, on arrive juste ici. Donc c'est le premier arrêt, comme je vous ai dit, on est parti de là-bas. On voit encore les copains. Donc là, vous venez ici. Tac. D'ailleurs, pendant qu'on y est, on va retirer ça pour que ce soit plus beau. Donc, vous venez, dès que vous sortez, vous venez directement ici. Pour la revente. Et voilà, les panneaux là, il n'y a pas plus simple. Donc là, voyons voir. D'accord. S'il te plaît, arrête de me manquer de respect. Donc, on choisit comme d'hab le vaisseau. Donc, demande actuelle. Tac. Donc là, comme d'hab... Ça fait 9, donc il faut que je fasse le calcul en même temps. Donc tac, 960 000. Donc j'ai l'impression que on va atteindre les 7 millions, je crois. Hein. Oui, d'accord, bon. Ça sera peut-être un peu plus du coup que les 7 millions. Donc là, ça fait, on est déjà à 9 millions. Et je crois que ce sera déjà énorme... 9 millions. Donc du coup, en plus, 48 000. Donc, c'est... Tout à l'heure, c'était un bug, donc tant mieux. Et là, 36 000. Donc ça fait 9 203 000 en... allez, on va le dire, on a mis 1h30 parce que nous, on a... Moi, j'ai commencé solo, mes collègues, ils m'ont rejoint après. Je vais juste baisser le son de la musique encore parce que j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus forte cette musique. Donc c'est un bon bénéf. C'est un bon. C'est pour l'instant, de toute façon, à chaque fois qu'un nouveau métier sort, c'est toujours plus facile de se faire de l'argent. Donc là, 9 millions en moins d'une heure et demie, c'est quand même un bon pactole. Donc, en tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo. Je vous rappelle que c'est une vidéo qui est possible seulement si vous avez le Reclaimer, qui coûte 15 millions d'origine. Je vous rappelle, je vous fais une petite parenthèse. Sur ce, les amis, n'oubliez pas que dans la description, il y a le lien pour mon Tipeee, pour ceux qui veulent me soutenir pour tout le travail que je fournis avec la corporation. Il y a mon Discord pour rejoindre la corporation. Donc, on recrute toujours, que ce soit des nouveaux joueurs ou des vétérans. C'est parfois chiant de jouer tout seul, donc n'hésitez pas à venir. On vous recrute dans la corpo. On pourra passer des bons moments qu'on vient de faire ensemble avec les copains. Et n'oubliez pas de lâcher un petit comme, un petit like, ça fera toujours plaisir. Abonnez-vous, s'il vous plaît, on vient de prendre énormément d'abonnés. Un grand merci à tous ceux qui le font, en tout cas. Je pourrais jamais vous dire assez merci, mais un grand merci à ceux qui le font. Et surtout, faites-le. Et surtout, bonne fête de fin d'année. Ciao.